Ou de on va étudier quelques matériaux qui constituent les objets quotidiens. C'est le titre de cette leçon. Quelques matériaux au quotidien. La première chose, on va distinguer entre l'objet et matériaux. Et après, on va savoir combien d'ensembles peut-on classer les matériaux et quelles sont les propriétés de certains matériaux. De plus, comment peut-on l'identifier Pour cela, on analyse l'activité d'observation suivante. On prend le premier objet, la chaise. Donc quels sont les matériaux qui la constituent? Mais هي les التي qui la constituent On trouve plastique, fer, on prend une autre chaise. Les matériaux qui la constituent sont le fer et le bois. Même le même جسم le كرسي, لكنه يتكون من مواد مختلفة. On constate qu'on a même objet, la chaise, mais les matériaux qui constituent chaque chaise sont différents. On prend ces deux fenêtres. On observe que la première fenêtre est constituée d bois et d verre, Et l'autre fenêtre est constituée d'Aluminium et verre. Donc les fenêtres sont des objets alors que le bois, l'aluminium et le verre sont des matériaux. Prenons ces deux bouteilles. La première est constituée du verre et l'autre du plastique. On constate qu'on a même objet, bouteille, mais les métaux qui les constituent sont différents. On a des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique. Donc la bouteille est un objet, alors que le verre ou bien le plastique est un matériau. Nous plastique. Prenons un autre exemple les coupes. Donc cette coupe est un objet constitué du matériau le verre, alors que cette coupe est aussi est un objet mais constitué du matériau le cuivre, et cette coupe est aussi est un objet constitué du matériau d'aluminium. On a le même objet, la coupe, mais les matériaux qui les constituent sont différents. on le l'aluminium ce qu'on a dit sous forme de tableau. Donc, prenons les objets chaise, fenêtre, bouteille, fil. Électrique, coupe, qu'on utilise dans notre vie quotidienne et on cherche à savoir les matériaux qui les constituent. Donc, on a les objets ou bien les corps chaises, fenêtres, bouteilles, coupes. Donc, quels sont les matériaux qu'on peut trouver dans une chaise On trouve le bois, le fer, le plastique pour une fenêtre on trouve le bois le verre et l'aluminium pour la bouteille on trouve des bouteilles en verre ou bien des bouteilles en plastique pour les coupes on trouve des coupes en verre ou bien des coupes en cuivre ou bien des coupes en aluminium. À la fin, une conclusion. Qu'est-ce qu'un objet La chaise est un objet constitué de plusieurs matériaux tels que le bois, le fer, le plastique. De même, la bouteille est un objet constitué d'un matériau, soit le verre ou bien le plastique. Donc, un objet est constitué par un ou plusieurs matériaux. Et donc, le est composé d'une de ou Exemple, chaise, fenêtre, bouteille. Après, Qu'est-ce qu'un matériau On appelle matériau toute matière employée pour fabriquer un objet. Nous sommes les matières que euh, ou pour Exemple, verre, plastique, fer, cuivre, aluminium. Le même objet peut être fabriqué de différents matériaux exemple bouteille en plastique bouteille en verre et نفس الجسم يمكن صنعه من مواد مختلفة يعني عندنا الجسم هو لا بوتاي يمكن صنعه من مواد مختلفة اللي هي البلاستيك او او الزجاج وغير ذلك دي ميم ماتيريو اون بو فابريكي différents objets exemple bouteille en verre coupe en من نفس الماده يمكن صنع اجسام مختلفه مثل قاروره من الزجاج او كاس من الزجاج اذا نفس الماده اللي هي الزجاج يمكن صنع عده اجسام مختلفه مثل قاروره كاس وغير ذلك في الفقره الثانيه نجيب عن الأسئلة التي تم طرحها في البداية فمن خلال هذا الجدول يمكن أن نصنف المواد إلى مجموعات وذلك بالاعتماد على بعض خصائصها وبعض خواص هذه المواد دونك غروند دو كلاسيفيكاسيون دي ماتيريو اون فونكسيون دو لور Certaines propriétés des matériaux. Et on va les résumer sous forme d'un tableau. Donc on a les matériaux et les propriétés. Donc on revient au tableau qui contient les objets et les matériaux. Et on choisit par exemple le verre. Le verre le un Donc on essaie de savoir quelques propriétés du nous, nous allons verre est un matériau de a les propriétés suivantes Isolant électrique mauvais conducteur de chaleur base de liquide et au gaz. de chaleur, de غير منفذ للسوائل أو الغازات ريسيكلابل قابل لإعادة التصنيع سيغتان ترانسباران <applause> يعني بعض من الزجاج شفاف ني غزيست با أو شوك لا يقاوم الصدمات لدينا كذلك في الجدول لفاخ الحديد ألمنيوم <applause> كويفر

Bon conducteur de la chaleur, mauvais jid de harara. imperméable aux liquides et aux gaz, rarement find de les il, ou les gazes, recyclable, c'est-à-dire les métaux sont recyclables, les alfilizates capables de l'agade de le opaque, c'est-à-dire les métaux, signe, muette, les alfilizates résiste aux chocs, on parle toujours des métaux

rarement sensible à la Toujours, on parle de quoi on parle Des plastiques imperméables au liquide et au gaz. Le plastique est rarement utilisé pour les solides Recyclable, le plastique est capable d'être recyclé. Certains transparents, c'est-à-dire le plastique, le plastique est transparent. Résiste au choc. c'est-à-dire le plastique est résistant aux chocs. الصدمات ، سي سيتادير لو بلاستيك ، اي يعني البلاستيك خفيف بالمقارنة مع الزجاج و نجد كذلك في الجدول لو يعني الخشب وقد نضيف كذلك الورق الخزف ، هذه المواد هي مواد عضوية يعني الخشب الورق الخزف مواد عضوية دي ماتيريو أوسي. est une matière organique. Donc, on peut classer les matériaux en général en trois ensembles. Petit 2, classification des matériaux. Les matériaux peuvent être classés en trois ensembles principaux. Le verre, les métaux tels que le cuivre, zinc, aluminium, fer, l'étain, l'or. والفليزات تضم عدد كبير من المواد وهي مثلا النحاس الزنك الألمنيوم الحديد القصدير الذهب الرصاص وغير ذلك المجموعة الثالثة لي اورغانيك المواد العضوية ونجد المواد العضوية البلاستيك لو بوا بابي ان سي دي سويت دون لو باراغراف سويفون اون فوا ايسيي دو ريبوندر او 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 C'est comment peut-on identifier les matériaux qui se trouvent dans le même groupe. Donc, grand 3, identification de quelques matériaux de même groupe. Il y a une attaque à la de qui est Donc, petit 1, les métaux. Les métaux les plus utilisables dans notre vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Les les plus dans notre vie quotidienne zinc. Et donc, qu entre ces Pour distinguer entre ces métaux, on utilise des tests de couleur.

Donc on a le test de métal par la couleur, par l'aimant, par la masse volumique en grammes par centimètre cube et par la température de fusion. Donc les métaux qu'on va tester sont le fer, l'aluminium, cuivre et zinc. Donc est-ce que le test de ces quatre métaux par la couleur Permet de les distinguer. La couleur du fer est gris. La couleur d'aluminium est aussi gris. Alors que le cuivre est rouge-orangé. Et le zinc est aussi gris. Et dans la cas de la lune, nous en mis en al le chadid, l'aluminium et le zang. Et nous en on passe au test par l'attraction de l'aimant On approche un aimant à chaque fois au fer, à l'aluminium, au cuivre et au zinc. On observe que le fer est attiré par l'aimant, alors que pour l'aluminium. non attiré par les mots de même pour عندما قمنا بتقريب مغناطيس الى كل من الحديد والالومنيوم والنحاس والزنك لاحظنا ان فيلس الحديد هو الوحيد الذي قام المغناطيس بجذبه إذن خاصيه الجذب Donc le test de ces quatre métaux par la couleur permet de distinguer le cuivre alors que l'aimant permet de distinguer le fer. Par contre, les tests avec la masse volumique ou la température de fusion permettent de distinguer ces quatre métaux.

Pour l'aluminium, la masse volumique est 2,7 g par cm. Et pour le cuivre, la masse volumique est 8,96 g par cm. Et le zinc, la masse volumique est 7,14 g par cm. Et nous يمكن mis نميز هذه à l'arbre بالاعتماد على de la qualité, al hajmiya De même pour la température de fusion, on trouve que la température de fusion du fer est 1535 degrés Celsius, alors que la température de fusion de l'aluminium est 660 degrés Celsius. Pour le cuivre, la température de fusion est 1083 degrés Celsius et enfin le zinc sa température de fusion est 420 degrés Celsius donc de même la température de fusion ne permet de distinguer les quatre métaux on passe à savoir comment peut-on identifier les différentes matières plastiques plastiques donc petit 2 les matériaux plastiques on trouve plusieurs types de plastiques, mais les plus utilisables dans notre vie quotidienne sont polyéthylène et on trouve polyéthylène haute densité, polyéthylène basse densité et polyéthylène téréphtalate. Le deuxième type de plastique le plus utilisable est le polystyrène. Le troisième polychlorure de vinyle. On répond donc à la question qu'on a posée auparavant, cest Donc, pour distinguer entre les matières plastiques, on utilise des tests de la flottabilité, de la dissolution, de la couleur de la flamme. Et donc, pour distinguer entre ces matières plastiques, on طبعا الطفو على الماء ونستعمل كذلك رايز الذوبان ورايز لون اللهب يعني كومونس بار لو بولي ايثيلين يعني بولي ايثيلين هوت دنسيتي وبولي ايثيلين باس دنسيتي لي دو تيب في دون لو دوس دونك كومون لي يعني البولي ايثيلين هوت دنسيتي يعني بولي ايثيلين ذات كثافه عاليه بولي إيثيلين بات دونسيتي ذات كثافة منخفضة إذن النوعين يطفوان على الماء العذب فكيف يمكن أن نميز بينهما؟ دونك لو بولي إيثيلين هوت دونسيتي إلي غيجيد إي يعني صلب ومقاوم يعني يقاوم الصدمات إلى آخره إكزومبل بوشون دو بواسون غازوز بوتاي دي ديتيرجون بوتاي دي ديترجان. يعني قاروره المنظفات alors que pour le polyéthylène basse densité il est souple et étirable يعني لين ويتمدد عند الجر exemple sac plastique les emballages souples les emballages souples يعني بلاستيك للتلفيف والتغليف وطبعا يكونوا لين Il reste donc à distinguer entre le polyéthylène terephthalate, polystyrène, polychlorure de vinyle. Ces trois matières de plastique, comment peut-on les différencier nous pour Pour le polyéthylène terephthalate, il se rétracte ou il s'enroule sur lui-même dans l'eau bouillante. Le polyéthylène terephtalate est un camiche qui se lève sur lui-même dans إكزومبل، بوتي دو منيرال، بوتي دو بواسون غازوز، يعني قارورة الماء المعدني وكذلك قارورة المشروبات الغازية. بور لو بوليستيرين، فلوط دون لو صالي، مي إل سوديسو دون لاسيتون. لو بوليستيرين يطفو على الماء المالح، لكنه يذوب في لاسيتون. الأسيتون هو مادة كيميائية. إكزومبل، بو دو ياورت ايزولون تيغميك إذن علبه الياغورت وعازل حراري لو توازيام سي لو دو فينيل دون ان كولور فيرت على اكزومبل تيو دو كاناليزاسيون اذا بوليكلوريغ دو فينيل تي لهب اخضر عند احتراقه مثال انابيب الربط المائيه وطبعا الانابيب البلاستيكيه